Jusqu'où peut aller la folie des hommes ? Aujourd'hui, quand on entend cette affaire inacceptable, innommable, terrifiante des viols de Mazan, on ne peut être que sous le choc. Quelle souffrance Gisèle Pénicaud a-t-elle endurée durant toutes ces années ? On est vraiment dans un monde de fous. L'étymologie de ce mot folie, folis en latin, renvoie à un sac rempli d'air. Mais ce sac n'est pas seulement l'emblème du creux ou du vide, mais aussi une déclinaison de la figure pneumatique de l'esprit. C'est un trouble mental, un égarement de l'esprit. Et Schill souligne « la violence engendre la violence ». La violence et la folie sont alors des manifestations extrêmes de la nature humaine déchaînée. Quand la raison vacille, la bête en l'homme semble toujours surgir. Alors retrouvons notre esprit, arrêtons cette violence, réfléchissons pour construire ensemble un monde meilleur. Belle semaine à vous, bon courage. Ciao, ciao.